La Haute-Ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Le camp romain était divisé en trois secteurs inégaux. Les deux axes principaux, l'ancienne Via Pretoria qui va de la Porte de Calais à la Porte des Degrés, et l'ancienne Via Principalis, qui va de la Porte Gaiole à la Porte des Dunes, se coupent toujours perpendiculairement au niveau de la Place Gottfried Bouillon, qui occupe l'emplacement de la grande cour au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Urepel, fils du roi Philippe Auguste, fait construire des remparts sur les restes des murailles construites pendant la période romaine. La hauteur moyenne des remparts est de 17 mètres, et la circonférence est de 2360 mètres. Les quatre portes, dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité, permettent l'accès au chemin de ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom, et leur salle d'armes souterraines. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des quatre portes divisait la haute ville de Boulogne en quatre quartiers le quartier de l'hôpital de la dépense du castel et de notre-dame rentrons dans l'ancien quartier de la dépense par la porte gaiole et tournons à gauche dans la rue des échevins Les échevins de Boulogne étaient les magistrats et conseillers municipaux du Moyen Âge et de l'Ancien Régime avant 1789. Les premiers comtes de Boulogne auraient résidé dans le coin sud de la Haute-Ville, devant la Tour Françoise, la Tour Française, la Tour des Francs, où l'on trouve le terre-plein de la promenade Clémenceau. Au XIe siècle, du temps du comte Stage II, le père de Godefroid Bouillon, le château comtal était situé au centre stratégique de la Haute-Ville et avait comme donjon l'actuel beffroi. On retrouve les premières traces des échevins à Boulogne au milieu du XIIe siècle, quand Mathieu d'Alsace était comte de Boulogne et son père Thierry de Lorraine, qui ramena la relique du 500 à Bruges, était comte de Flandre. Le terme d'échevin vient du latin mérovingien scabinus. À l'origine, les Scabini étaient les assesseurs du comte. À partir de 1261, l'histoire de la commune de Boulogne se mêle intimement avec l'histoire des comtes de Boulogne. Depuis le XIIIe siècle, au moment du renouvellement de la loi, c'est-à-dire l'élection du maire de Boulogne et des quatre échevins, les bourgeois, les habitants du bourg se réunissaient à la maison commune au son de la cloche du beffroi. Après l'élection municipale, un grand dîner réunissait les notables bourgeois et leurs épouses au niveau de la Guyale, la Guild Hall, la maison de la corporation, le lieu de rassemblement du mailleur et des échevins, qui se trouvait non loin de la place Godefroy de bouillon au début de la rue d'Aumont. Lorsqu'un nouveau seigneur du comté de Boulogne arrivait, le mailleur et les échevins de Boulogne étaient tenus de lui prêter serment en lieu honnête. Le comte devait de son côté jurer devant eux qu'ils garderaient leur franchise, leurs avantages juridiques et financiers, longtemps appelés privilèges du Boulonnais. En 1278, Robert V d'Auvergne, comte de Boulogne, augmenta les privilèges du maire et des échevins de Boulogne. Ils avaient alors le droit de juger tout meurtre, rapte, larcin, homicide et bataille, dans la ville et dans la banlieue de Boulogne, excepté ceux perpétrés dans le château de Boulogne, la résidence des comtes de Boulogne, qui dépendait du sénéchal. La rivalité entre le sénéchal de Boulogne et le maire fut parfois à l'origine de tensions vives. En 1285 des agents de surveillance de la ville qui avaient laissé échapper un malfaiteur furent pendus sur décision du maire et des échevins, sans en référer au sénéchal de Boulogne, Gilon de Passe, représentant du comte de Saint-Paul qui tenait le pays boulonnais. Le sénéchal assigna le maire et quatre de ses échevins par cri public à la croix du-marché, à l'intersection de la rue du Puy d'Amour et de la rue d'Aumont. Deux échevins furent arrêtés. Les autres, pris de terreur, coururent se réfugier dans l'abbaye de Samé, où ils firent faire leur couronne, c'est-à-dire qu'ils prirent la tonsure monacale pour échapper à la justice du comte. En 1478, l'astucieux Louis XI, pour se soustraire à la suzeraineté des ducs de Bourgogne, fait hommage du comté de Boulogne à la Sainte Vierge et s'en déclare le vassal. À cette époque, les habitants de Boulogne conservent leurs privilèges fiscaux. Philippe de Crèvecoeur, qui a longtemps combattu Louis XI aux côtés du duc de Bourgogne, est nommé sénéchal du Boulonnais. Philippe de Crèvecoeur deviendra peu de temps après maréchal de France. La ville de Boulogne était administrée par un maire, douze échevins et vingt et un élus. Les bourgeois choisissaient vingt d'entre eux qu'on appelait les élus, plus un vingt et unième chargé de les présider. Ces vingt et un élus nommaient à leur tour le maire et douze échevins qui prêtaient serment. Ils revêtaient le costume de leur charge, la robe du palais, avec au bras gauche pour le maire, une chaîne d'or à laquelle étaient suspendues deux médailles, l'une aux armes de la ville, l'autre aux armes du comté. Les échevins, quant à eux, ne portaient qu'une chaîne d'argent, avec une seule médaille aux armes de la ville. La juridiction du corps échevinal, qui s'étendait sur Boulogne et sur la banlieue, se trouvait souvent en conflit avec la justice du comte, représentée par son sénéchal, de qui dépendaient tous les gens du comte. En 1544, Boulogne est assiégée par Henri VIII. Le maire de Boulogne, Antoine Orvin, devient célèbre en organisant la lutte contre les soldats anglais. Le 9 août 1544, Philippe Corse, capitaine des soldats italiens qui défendaient la partie sud-est de Boulogne, est blessé à la tête lors de l'attaque de la tour françoise. Le maire Heurvin et tous les échevins assistent à ses funérailles. Peu après, on apprend par des prisonniers anglais qu'une mine est creusée sous la tour françoise. Le seigneur de Lignon entreprend alors la contre-mine, mais trop tard, l'explosion se produit et Boulogne perd un nouveau valeureux défenseur. Le 6 septembre, une clameur s'élève de la tour du guet. C'est l'alarme partout. Que l'on soit à la porte flamande, la porte des dunes, des degrés ou gailloles, le spectacle est identique. Les ennemis qui ont reçu des renforts et des grandes quantités de poudre à canon attaquent de toutes parts. Cinq brèches sont faites dans les remparts de Boulogne, dont l'une près de la tour Notre-Dame, tellement ouverte qu'elle permet de voir jusqu'au pied des maisons. Par sept fois, les Anglais lancent leurs troupes sur les murs de la ville. Par sept fois, ils sont repoussés. À quatre heures de l'après-midi, ils reculent enfin. 1500 Anglais sont morts, mais 300 défenseurs boulonnais ont perdu la vie. Le maire de Boulogne, Antoine Orvin, et les échevins veulent continuer de résister à l'envahisseur avec les Boulonnais. Mais Jacques Coussy de Vervin, lieutenant des ordonnances de François Ier sous le maréchal de Bié, son beau-père, capitule le 18 septembre et laisse les Anglais rentrer dans la ville. Il sera accusé par la suite de trahison, sous le règne de Henri II, et condamné à être décapité et démembré au Halle de Paris le 5 juin 1549. Tous ses biens seront confisqués au profit de la couronne et les différentes parties de son corps seront exposées dans tout le pays boulonnais. En 1566, le chancelier Michel de l'Hospital tente vainement par les dits de Moulins de retirer du pouvoir aux mailleurs et aux échevins. Cette restriction restera sans effet. La franchise de toute taille, subside et gabelles, est confirmée pour le boulonnais. Au XVIe siècle, selon l'ancienne loi, nul n'est le maître de son corps et de sa vie. Le suicide était donc interdit. Mais comment punir quelqu'un qui s'est suicidé En 1588 fut traduit par devant la justice criminelle des mailleurs et échevins de Boulogne le corps d'un bourgeois qui de lui-même s'était pendu et étranglé. Il fut condamné à la potence. On traîna son corps sur une clé et l'exécuteur l'accrocha au gibet en haut d'Ostrove. Que faire de plus le 29 juillet 1644, la tour d'ordre s'écroule au bas de la falaise dans un fracas épouvantable entendu jusqu'à Brecrec. Le mailleur de Boulogne et les échevins souhaitent arrêter de payer la rente qu'ils payaient au baron d'Ordre, seigneur de Bangtin, pour l'utilisation de la tour en tant que phare lors de la pêche au hareng. Néanmoins, en 1656, après 12 ans de procès, la ville est condamnée à continuer à payer la rente car cet écroulement est dû à sa négligence d'avoir laissé extraire les pierres au pied de la falaise afin de les vendre notamment aux Hollandais. Louis XIV retira de l'autonomie aux Boulonnais, et il fit détruire en 1689 la plupart des remparts qui entouraient la basse ville, ainsi que les remparts avancés autour de la haute ville. Ce n'est que grâce au duc d'Aumont et au manque de financement que les derniers remparts de Boulogne sont encore debout. En 1715, Louis XIV meurt en 1716, un des premiers actes du régent le duc Philippe d'Orléans est de rendre à la ville de Boulogne les privilèges que Louis XIV lui avait enlevés. Le Mailleur redevient pour quelque temps souverain dans sa ville. Le mailleur et les échevins portaient la robe à longues manches pendantes, la chaîne d'or pour le mailleur, avec un médaillon émaillé aux armes de la ville et des gants de Grenoble. Chaque année, au renouvellement de la loi, le mailleur recevait la baguette de commandement de la ville. Le mailleur de Boulogne et les douze échevins cumulaient les attributions des municipalités d'aujourd'hui, avec celles des conseils généraux, des sous-préfectures, des juges de paix et des tribunaux de première instance. Ils contrôlaient les marchandises, les poids et mesures, les tarifs du pain, les brasseries, les boucheries, les prix des poissons et déterminaient les taxes sur tous les prix. Ils étaient chargés du déblaiement du Havre de Boulogne qui s'ensablait, de construire le quai pour les navires, de loger les gens de guerre, d'organiser le gué au beffroi, à la tour d'Ordre, au clocher Notre-Dame et de Saint-Nicolas, pour signaler les incendies et les passages des navires anglais maraudeurs. Un échevin veillait à la fermeture et l'ouverture des portes de la haute ville. Le budget de la ville venait des bourgeois, qui se partageaient les lourdes charges financières, mais conservaient les privilèges. En 1733, l'indépendance des communes est lourdement remise en cause. Les fonctions électives du maire et des échevins servent à engranger des sommes considérables dans les caisses de l'État. Les pseudo-privilèges sont le moyen d'une entourloupe fiscale. La commune devait alors racheter ses privilèges, ce que Boulogne dut faire cinq fois pendant le XVIIIe siècle pour ne pas tomber totalement sous la coupe de l'État. Le maire et les échevins perdent de plus en plus leur pouvoir. À la fin, il ne leur reste plus que leur costume. En 1749, les 21 élus choisirent comme maire Guillaume Coyot, seigneur du Grand Molinet, pour succéder à Achille Mutineau. Les vingt et un élus étaient obligés de voter sous peine d'amende. Ils ne pouvaient pas être parents entre eux et ne devaient pas tenir de taverne, d'hôtellerie ou de commerce de détail. De plus, les vingt et un élus ne devaient pas être membres d'une même profession. Le jour de l'élection, dans la salle d'audience de la Sénéchaussée, les douze échevins revêtaient la robe du palais et les insignes de leur autorité. Sur les douze échevins, huit provenaient de la haute ville et quatre de la basse ville. Le maire venait obligatoirement de la haute ville et devait ensuite prêter serment au roi devant le parlement de Paris. En 1764, le Parlement de Paris autorise le mailleur et les échevins à exercer la police sur la vente des harangues, l'argent de la mer. Le 3 novembre 1775, défense est faite à toute personne, autre que les libraires, de faire le commerce des livres. La révolution de 1789 viendra bouleverser cette organisation municipale. Les échevins et le mailleur ne doivent plus porter de signes distinctifs comme la robe. Par contre, ils peuvent arborer une écharpe aux trois couleurs par-dessus leurs habits, attachée d'un nœud et ornée d'une frange jaune pour le maire et blanche pour les officiers municipaux. En 1790, les chevinages et les mailleurs disparaissent, et Louis-Marie-Jacques grand devient le premier maire de Boulogne. Avec toute leur charge et leur très active défense des intérêts de Boulogne, les échevins méritaient bien l'hommage d'une rue, même si ce n'est pas la plus belle de la haute ville. En 1505, la rue qui longeait le mur de la porte-gaïole à la Tour Françoise, au pied du rempart, était appelée la rue de Tirbeuf ou la rue du Château-Gaillard, car conduisant à la Tour Françoise, l'ancienne place fortifiée des premiers comtes de Boulogne. La rue qui menait au niveau du coin sud-est des remparts, où l'on trouve le terre plein de la promenade Clémenceau, s'appelait rue sous les murs, car elle longeait les murs des remparts qui servaient encore de chemin de ronde. Après la construction de l'hôtel des ducs d'Aumont le long des remparts, une voie d'accès en pente est aménagée. La rue qui longe les hauts murs de l'hôtel du gouvernement, le logis de Monsieur le duc, prend le nom de rue sous les murs, dénomination qu'elle garda après la construction de l'institution des Ursulines et de ses hauts murs. En 1822, la rue sous les murs mesurait 55 mètres et menait de la rue d'Aumont à la rue de la Paille, la partie est de l'actuelle rue des Ursulines. Le 20 décembre 1861, la rue sous les murs devient officiellement la rue des échevins, en souvenir du dévouement incessant dont, à toutes les époques de notre histoire, l'échevinage de Boulogne fit preuve, notamment pour la défense du boulonnais et des immunités de la ville. La rue des échevins n'est pas très engageante, personne n'y habite. On n'y trouve que des garages et la façade latérale du centre des impôts de Boulogne, qui a remplacé l'institution à Fringues, détruite pendant la dernière guerre mondiale et dont les bâtiments dataient des Ursulines au début du XIXe siècle. La rue des Échevins arrive dans la rue des Ursulines, sur des places de parking, et son pavement, de type médiéval, a été refait il y a quelques années. La haute-ville de Boulogne est un lieu agréable chargé d'histoire de fois millénaires. Les demeures de la haute-ville sont principalement bâties en grès des carrières de baguettin taillées en moellons. Les encadrements et les décors sculptés sont en calcaire de marquise. Poursuivons la visite des rues de la haute-ville de Boulogne par la rue des Ursulines.